Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui en ce jeudi 24 octobre? Il est plus de 13h. Je cherche mon téléphone. Il est 13h16. Comment vous dire? Je vais beaucoup mieux. Franchement, oui. Je ne vais pas dire que c'est la grande forme, mais ça va mieux. Hier soir, j'étais couchée très tôt, je n'ai pas mangé, j'ai dormi comme un bébé, j'ai pris Doliprane, j'ai eu un petit massage. Et franchement, ça m'a fait du bien. En fait, je pense que c'était le manque de sommeil, tout simplement. Donc, je sais qu'après le lendemain, ça va beaucoup mieux. Enfin, j'espère, je croise les doigts que ça continue. Je me suis réveillée très tôt, hein, comme tous les jours, sauf quand je pars en séance. Et j'étais déjà au taquet ce matin, hein. Lessive. J'ai préparé mon petit déjeuner, je me suis régalée les amis. Ensuite, j'ai fait du pain et je suis partie aux courses. En fait, il me fallait des boissons. Donc, j'étais chez Leclerc et j'ai repris des boissons comme ça. Elles sont super bonnes. Regardez, en même pas une heure, j'ai bu tout ça. Et je vous ferai montrer le retour de course tout à l'heure. Parce que là, je dois aller chercher Vincent. Il y a des courses à faire. Voilà. Lui, il va aller chez Aldi. Du coup, là, je dois ramener ma voiture au garage. Parce que la dernière fois, il n'a pas pu me la faire, ma voiture. Je vous avais dit, il a fait l'examen, comment dire, la révision. L'examen. Il a fait la révision et il n'y avait pas l'appareil pour remettre mon compteur à zéro. Et du coup, là, comme il avait téléphoné à Eric, il faut que j'y aille. Donc, on va y aller, moi, Julie, Vincent. Et en même temps, on ira voir... En même temps, on ira se boire un petit café, un petit truc, en attendant qu'il fait ma voiture. Et ensuite, on ira chez Aldi pour faire les courses de Vincent. Et après, je le ramène chez lui parce que aujourd'hui, c'est la sortie du jeu de Vincent. Vous savez, il fallait le précommander. C'est un jeu sur PlayStation, je ne sais pas trop quoi là. Et du coup, c'est aujourd'hui qu'il sort et Vincent est trop content. Du coup, il dit, maman, pas trop tard, parce qu'après, je vais rentrer chez moi et tout, et tout, et tout. Là, il est trop content. Moi, j'ai mangé. J'ai mangé des macaronis au fromage, vous savez, avec du gruyère, et un beefsteak. Et ben, j'ai mangé la moitié du beefsteak et 3-4 cuillères de pâte. J'ai faim sur le coup et après, j'ai pas faim, en fait. Je sais pas ce qui se passe, mais je n'ai pas beaucoup d'appétit. C'est peut-être parce que j'étais pas bien, mais là, franchement, j'ai envie de rien. J'ai envie de manger tout des trucs légers. Voilà, des fruits, tout ça. Bref, on verra bien. Le jouet de macho. Oh! 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 Tu m'as griffé, là. Ouh! T'es arrivé vite. Ah, tu m'as griffé. Ouh, tu m'as fait mal. Des bisous maman. Tiens. Et il fait beau les amis aujourd'hui. Il fait beau comme hier, à ciel bleu. Du coup, je vais profiter de sortir. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, je devais faire mes cheveux aujourd'hui. Et franchement, j'ai la flemme. En fait, je devais pas sortir. Mais Vincent m'a envoyé un message tout à l'heure. Elle dit, maman, on peut aller faire mes courses. Pourquoi tu l'as pas dit ce matin? Et là, Eric me dit, n'oublie pas d'aller chez Midas. Oui, parce que c'est chez Midas. Donc, eh ben, je vais y aller. Alors que j'avais des choses à faire. Oui, parce que je suis passée chez Action aussi. Parce que j'ai été chercher des bacs de rangement pour faire en dessous de mon évier de cuisine. Pour mettre tous mes produits et en fait je voulais aussi un c'est vrai que je devrais aller prendre ça plutôt je voulais un bac avec trois tiroirs pour mettre
les éponges, des gants, des microfibres. Vous voyez? Comme ça, je vais voir ça. Je vais voir avec Julie ce qu'elle en pense. Donc voilà. Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout, c'est tout. Sinon, ouais, il fait beau, hein. Il fait beau. Du coup, bah là, j'ai terminé ma vaisselle. Et je passerai un petit coup d'aspirateur tout à l'heure. C'est pas ça, là. C'est pas ça du tout. Ça va, Mathieu, il fait pas rentrer-sortir. Heureusement. Là, je regardais les informations. C'est toujours la même chose, hein, mais bon. Et puis voilà. Ce soir, il n'y en a plus, les amis. Ce soir, il n'y en a plus. Tant pis. Tant pis pour moi. Ah, j'ai trouvé des belles choses chez Action, là. C'est cool. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Ah oui, j'ai préparé mon bourguignon aussi pour demain soir. Comme ça, je le fais mijoter tranquillement. Là, il mijote tranquillement. Et ce soir, c'est les frites et les moules. Et j'ai fait les menus, les amis. On va les voir? Allez, c'est parti. Alors, allez, on est parti pour les menus. Donc, c'est du 24 octobre au 30 octobre. Donc, à partir de jeudi. Donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est moules frites avec de la salade. Vendredi, bourguignon purée flageolet. C'est bourguignon carotte, hein. Voilà, à bœuf bourguignon. À bœuf carotte, voilà. Samedi, des saucisses de veau avec des pommes de terre et des haricots verts. Le dimanche, chou-fleur au gratin avec des côtes de porc. Le lundi, les fameuses pâtes carbonara que Eric attend depuis 15 jours. Mardi, nous aurons chou rouge avec de la purée. Alors, chou rouge avec des lardons et des pommes. Et mercredi, un risotto de poulet. Voilà, les amis, mon menu de la semaine. Bon, les amis, je vais vous faire montrer ce que j'ai acheté chez Action. Donc, j'ai pris ces bacs comme ça. J'en ai pris deux pour mettre en dessous de mon armoire de lavabo, de mon évier de cuisine, pour mettre tous mes produits ménagers. Voilà, j'en ai pris deux parce que j'ai beaucoup de produits, hein. Ensuite, là, j'ai un petit sachet. Je prends au hasard, hein. Alors, j'ai pris des pansements pour les ampoules. Oui, parce que Eric s'est chopé une ampoule en dessous de son pied. Donc, j'ai pris des ampoules. Des pansements. Des pansements. J'ai pris ça pour mettre dans les toilettes. Je sais pas ce qu'il vaut. Je voulais le tester. Alors, il sent très bon à travers le paquet. Franchement, ça sent très très bon. Et du coup, je vais le tester. Je vous mettrai les prix, les amis, hein, comme d'habitude. De l'aluminium, parce que Vincent m'a fini mon rouleau. Donc il m'a dit, maman, il n'y en a plus. Ok. Le ticket, j'en ai eu pour 35 euros quand même, hein. Je crois que ça monte maintenant chez Action, hein. J'ai pris des chaussettes. Oui, parce que moi, j'aime bien avoir de nouvelles chaussettes. Du coup, j'ai pris des chaussettes. Surtout que j'en ai pas beaucoup. Donc, des petites chaussettes, oh, ils sont assez épaisses, hein. Ça, c'est plus pour mettre avec mes baskets. Quoique, j'aurais pu mettre ceux-là, j'en ai mis des autres. J'ai pris en 35-38, hein. Oui, parce que moi, je fais 36-37. Oui, j'ai un petit pied, hein. On me l'a déjà dit. Merci, merci. Donc, des petites chaussettes. J'en ai repris pour les chiens un paquet seulement. Voilà, seulement un seul. J'ai pris des chaussettes également, comme ça. En fait, ils sont ouvertes parce que j'en ai une paire à mes pieds. J'ai pris en rose. Voilà.
C'est à l'eau de Troyes et j'ai encore une paire dans le sac. Allez, bon, c'est pas grave. J'ai repris des sacs de congélation. Ceux-là, je les aime beaucoup, moi. Les petits bleus et les grands rouges. C'est trop bien. J'ai pris une bombe Airwick à 10 pour le diffuseur à la clémentine. J'ai hâte de le mettre tout à l'heure. Ça va sentir trop bon. Ensuite, j'ai pris des Milky Way. D'ailleurs, je vais en manger un après, là. Ça change que des Twix. Les Twix, j'aime plus tellement. On dirait qu'ils ont un goût, je sais pas. J'arrive plus à les manger. Ensuite, ils ont sorti ce produit-là de la marque Lysol. C'était barré sur le code de barre. Donc, je pense que ça va s'arrêter. Un nettoyant multi-usage. Et c'est un contenant de 1 litre. Donc, j'aurai de quoi faire. Hein. Vous voyez, quand je mets tous mes produits comme ça dedans, c'est bien, au moins tout est bien rangé. Et on peut voir ce qu'on a. Parce que quand on met tout comme ça, hein, on ne s'en sort pas. Ensuite, j'ai pris des petites boucles d'oreilles comme ça. Ça fait des petites gouttes. Elles sont trop trop belles. Franchement, pour le prix, hein, moi je dis oui, hein. Ensuite, j'ai pris ceux-là. Je vais essayer de les remettre droite. Voilà. J'ai pris ceux-là. En forme de cœur. Elles sont très jolies aussi. J'ai bien aimé. Ensuite, elle est là, la paire de chaussettes. Ah, j'ai pris des pinces. Pour mes cheveux, parce que les pinces à Julie, ils sont trop grosses. Et moi, j'ai pas beaucoup de cheveux. Du coup, j'ai bien aimé celles-ci, là, en forme de coquillage. J'aime trop, elles sont trop trop belles. Elles sont très jolies. Donc, des petites pinces, je suis en train de glisser, les amis. Et là, c'est des nouveautés. C'est des baumes à lèvres. Oh, c'est écrit petit, hein. Waouh! C'est de l'huile. C'est vrai, c'est de l'huile à lèvres. On teste. Allez, on teste. Ah, d'accord. Oh. Ça me chatouille les lèvres. Ça sent le bonbon. Franchement, c'est frais. On dirait que c'est à base d'eau. Mais c'est légèrement huileux, mais très léger. C'est pas désagréable. C'est vraiment très beau. Oh là là. Je suis vraiment pas coiffée aujourd'hui. Hein. J'ai même pas mis de bijoux en plus. Donc franchement, celui-là, il est beau, hein, en rose. On va tester le couleur abricot. Je vais les effacer ma bouche. Alors, je voulais prendre une lingette démaquillante, mais Julie est dans la salle de bain. Bon, ça va le faire. Alors, il est où? Il est là. On va prendre le couleur marron. Ça sent très bon le pain là, dans la maison. Le pain frais là. C'est vraiment très agréable. Hein. On va mettre double dose. Hein. Pas que j'en mets sur mes dents. Hein. C'est joli, c'est vraiment très agréable. Je valide. Ouais, je valide. Je pense que je vais les mettre dans ma voiture, ceux-là. Un petit coup.
comme ça, dans le rétroviseur, à l'arrêt, bien sûr. Hein. On ne se maquille pas en conduisant. Ils sont beaux, hein. Ouais. Bon, bah alors, j'arrive plus à le mettre. Hein. Voilà, bah écoutez les amis, je valide pour ces deux baumes à lèvres à l'huile. Franchement, ils sont top. Vraiment beau. Voilà, pour le haul action, et bah pour ça, 35 balles. Mais bon, on se fait plaisir. On se fait plaisir. De toute façon, quand on va chez Action, hein, il y a toujours des nouveautés et on est attiré. Et tout ça, là, ben, c'est ce que j'avais besoin, en fait. Bon, chaussettes, bon, les bijoux, peut-être pas, ni les baumes à lèvres, mais c'est pas ça qui m'a ruiné. Hein. D'ailleurs, je sais pas ce qui m'a ruiné. En plus, ils ont sorti aussi des nouveaux masques. Je les avais pris et je les ai remis. J'en avais pour 5 euros. Et je les ai remis et je me suis dit, non, Sandrine, sois raisonnable. Tu en as plein. Donc, calme-toi. Mais ils étaient tellement beaux. Si j'y vais tout à l'heure, est-ce que je les prendrai pas? Oh, pour 5 balles, hein. Bon, allez. Après, ça, c'est cher quand même. Hein. C'est 3 euros, hein. On va tester. Ah, ouais. Ah, oui. Ah, ouais, ça, j'aime bien, moi. Oh là là. Je vais le mettre à mon entrée, ici, à ma porte. Alors, c'est à quoi? Plaisir d'agrumes et zeste de mandarine. Voilà. Quand j'ai vu solder ça, déjà, je me suis dit, ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi, ma cocotte. Alors, achète-le. Achète-moi. Donc, voilà, les amis. Et je vous montrerai le retour de course Leclerc tout à l'heure, parce que là, on doit y aller. Je garde le ticket de caisse pour vous mettre les prix tout à l'heure. C'est tout des 1, des 2, des 3, des 3, des 2, des 1, des 2, des 3. Oui, ça fait 50 fois que je le dis. Et ben, voilà. Et ben oui, mais t'as qu'à pas aller chez... T'as qu'à pas. Faut pas aller chez Action. Bon, faut se faire plaisir, les amis. Hein? Faut se faire plaisir. Allez, je mets ça là. Je rangerai tout à l'heure. Et puis voilà. Ah oui, ça aussi. Ça, c'était pas cher. Hein. 2 euros, je crois. C'est vraiment pas cher. Je vais vous le dire. Je vais pas dire de bêtises. Je vais vous le dire. L'isole. Ah non, 2,27 €. Donc j'ai bien fait de vérifier. Je dis, tu te dépêches quand même. Allez. Les chaussettes, franchement, c'est vraiment pas cher. 1,99 € et 2,79 € les autres. Franchement, c'est vraiment pas cher. Le Airwick, 2,98 €. Enfin, voilà. Je vous mettrai les prix tout à l'heure, quand je ferai le montage. Voilà, ça, tout ça là. Et puis voilà. Donc là, il est quelle heure? 13h40. Donc, c'est pas mal. Hop, on va manger un petit chocolat. Un petit Milky Way. Bah, il faut reprendre des forces, hein, les amis. Non, franchement, je me sens super bien aujourd'hui. Enfin, super. Oh, je ne veux pas dire des bêtises. Je ne veux pas trop crâner quand même. Hein, parce que peut-être ce soir, je vais être à plat plat. Mais non, je suis sûre que c'est à cause de la fatigue. Comme ça fait lundi, j'ai pas dormi en séance. L'après-midi, je me repose, mais sans dormir. Mercredi, pareil. Donc, ça m'a mis un coup, je pense. De toute façon, mon docteur traitant n'est pas là cette semaine. Alors, que la semaine prochaine. Et je vais prendre rendez-vous avec elle. Parce que je dois mettre... on doit faire une mise au point quand même. Allez, les amis. Bon appétit à vous. Allez, je partage. Vous d'abord. Vous croquez? Allez, croquez. Croquez, j'ai dit. Voilà. Oh, vous êtes gourmande aussi, vous, hein. Trop bon. Mais vous savez, moi, je les préfère quand ils sont froids, au frigo. Trop bon.
J'ai préparé ma petite boisson là. Toujours mon citron. Hein. Avec mon petit verre. Alors, je mange pas mon assiette, mais on mange des cochonneries. C'est plus meilleur. Faut que je réponde à vos commentaires sur la dernière vidéo. D'ailleurs, je les ai lus ce matin. Hein. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment très gentils. Je sais, on ne parle pas la bouche pleine. Mais c'est tellement bon. Tu déconnes, Maurice. Ça donne soif. Hein. Ils sont bons, hein, les rouges à lèvres. Bien frais. Trop bon. Mais bon, attention à la gorge quand même. Hein. Je me suis habillée simple aujourd'hui. Ouais, j'ai mis un petit body noir. J'ai mis mon survêt. D'ailleurs, ce soir, je vais le laver. Parce que c'est pour moi demain. Moi, je mets ça pour la séance parce que je suis tellement à l'aise. Et il est chaud, en fait. Donc là, je vais mettre ça. Là, je vais mettre mes baskets. Et puis, c'est tout. Hein. Et puis, ma petite veste doudoune, simplement. Et vous avez vu, les amis, la lampe au sel. Elle est trop belle. On l'a laissée allumer toute la nuit. Ça faisait trop beau dans la maison. Eric me dit, c'est dommage qu'elle ne l'a pas en bleu. Il aurait préféré que ça, qu'elle soit en bleu. Bah, j'écoute. Orange. Le chocolat, ça gratte à la gorge. Bon, j'ai ma télé qui bug. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? J'appuie sur des boutons qui n'existent pas. En fait, ça tourne et l'image reste bloquée. Il est mis à la 2. C'est la météo. Là, Eric m'a envoyé un snap. Il va être tout sale. Il travaille dans des trous. Pff, horrible. Ce matin, il faisait très très froid. Eric a allumé la cheminée pour qu'on ait chaud. Donc, c'était cool et je me suis levée en même temps que lui. Hein. Lui est descendu avant et en fait quand il a commencé à faire le café parce que j'ai entendu la cafetière, moi en entendant je répondais, je lisais vos commentaires, je suis désolée, c'est le chocolat qui gratte, je sais pas si ça vous arrive ça quand vous mangez du chocolat ou un bonbon caramel, ça vous gratte la gorge après. C'est terrible, hein, même du miel. Hein. Et en plus, les amis, en parlant de miel, j'ai été chez Auchan et j'ai oublié d'acheter mes bonbons au miel. Je suis dégoûtée. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Là, j'ai mes ongles qui cassent. Ça m'énerve. Oh, je sais que on vend aussi des gummies pour tout, hein, en fait, hein, les ongles et tout. Il faudrait peut-être que j'en prenne. Parce que moi, Julie, elle en prend, là. Et franchement, ses cheveux, ils ont poussé de ouf. Et Amélie, elle prend pour la peau aussi. Elle prend pour les ongles, elle prend pour les cheveux. Et franchement, elle a une belle peau et tout. Faudrait que j'y pense. Bon. Allez, les amis. Julie, elle est en train d'écouter de la musique. Elle se prépare, hein, mais elle est toujours 2 heures. Bon, je vais mettre mes baskets, ça sera déjà ça. Oui, je vais mettre mes baskets comme ça. Je les avais achetées chez Leclerc. Elles sont trop belles, moi j'aime bien tout ce qui brille. Hein. On marche pas dans la maison en chaussures. Donc c'est pour ça que je vais les mettre que maintenant. Alors j'ai pris la taille 36. Et franchement, je les perds encore un petit peu. Du coup, parce que je sais pas, ça s'élargit. Et je vais aller m'acheter une semelle. Une paire de semelles. Et c'est ça que j'ai oublié chez Action. Donc, je vais y aller. Hop. Allez, je vais les mettre. Ouais. Ouais, je vais faire un petit peu. Hein. Bon, pas trop, hein, mais c'est léger, quoi.
Mais elles sont trop belles, moi j'aime bien. Et puis je suis à l'aise dedans. Vous voyez? Il n'y a pas de lacets, on les enfile carrément. Et tranquille. Hop. Hier, j'ai lavé toutes les baskets blanches à Vincent. Et en fait, il m'a abîmé une basket. Il m'a mis de la résine dessus. Parce que quand il a travaillé avec Eric, il y avait ses baskets Vincent. Et en fait, il a mis de la résine dessus et j'arrive pas à le ravoir. Du coup, Eric m'a dit, t'inquiète pas, je vais te donner un produit et puis je l'enlèverai avec. Je dis, bon, bah d'accord. D'accord. Hop. Et franchement, les amis, depuis que j'ai arrêté le coca, tout ce qui est boisson gazeuse, hein, il n'y a pas que le coca, et ben j'ai beaucoup moins de brûlant. Franchement, c'est un truc de fou. Regardez. Ma boîte, elle est encore pleine. Et ça diminue, ça diminue, ça diminue. Et je suis trop contente. Et franchement, c'est vrai qu'au début, ça a été dur. Parce que bah, on en manque. Hein, le coca, vous savez, c'est une drogue. Hein. Et même quand je vais au magasin, je vous jure, hein, sur la tête de mes enfants, que j'en achète pas. J'en achète pas du tout. C'est vrai que quand je faisais mes courses, ça me manquait. Je disais, j'en prends pas, j'en prends. Et j'ai tenu bon. Et du coup, franchement, le citron, maintenant, c'est mon ami. Et puis, ça, les boissons-là. J'ai fait le stock, hein, de toute façon. Hein. Parce que je vous avais fait montrer hein, le Satama, là. N'achetez surtout pas, les amis. C'est dégueulasse. Mais alors, celle-ci, cristalline, trop bonne. Moi qui n'aime pas trop la marque cristalline. Hein. Mais là, trop bon. Ça me gratte encore, hein. C'est pénible. J'aurais pas dû manger de chocolat. Bon, je suis pressée quand même. Mathieu me regarde. Il me regarde comme ça. Ah oui, j'ai mis mes baskets. C'est pour ça. Qu'est-ce que tu as, mon bébé? Maman, elle arrive. Bah oui, maman, elle va aller faire les courses. Il boude. Et je sais plus ce que je disais. Oh, mon garçon. Toi, tu vas faire attention à la maison. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je sais plus. Bon, bah, les amis, je ne sais plus ce que j'allais vous dire, mais bon, ça ne devait pas être important. Donc là, je vais éteindre mon gaz. Enfin, c'est pas mon gaz, c'est ma plaque. Parce que je l'ai mis à... Je l'ai pas mis à 1, mais je l'ai mis à la moitié de 1. Comme ça mijote tranquillement. Et puis voilà, ma porte devant est ouverte, hein, ça fait, c'est agréable de aérer un petit peu la maison comme ça. Et puis voilà. Allez, j'appelle Julie et puis on y va parce qu'il va être 14h les amis. Allez, je papote depuis un bon bout de temps maintenant. Hein. Donc c'est bon Sandrine, arrête. Ah je vais vous faire montrer le pain, il est cuit. On y va? Allez, go, on y va. Je mets mon gant pour pas me brûler, hein, parce que c'est encore un peu chaud. Regardez les amis, mon pain cocotte, il est trop beau. Écoutez. Alors, vous avez vu mon pain? Je suis trop contente, franchement, je suis trop contente. Et je vais faire des baguettes aussi. Je ne sais pas quand, mais bientôt. Et c'est le même principe, hein. C'est la même pâte et tout, à part que je ne le mettrai pas dans dans ma cocotte, je le mettrai sur le truc à baguette. Voilà. Bon, allez, les amis, on y va parce qu'on va être en retard. À tout à l'heure. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bon les amis, je vous reprends. Il est assez tard. Il est au moins 18h. Non, il est 17h20. On est rentré du garage. Alors, pff,
Ça m'a saoulé, quoi. Le mec nous dit de venir. Il n'arrive pas à avoir au téléphone les autres gars pour qu'ils puissent mettre mon compteur à zéro. Et nous, on attend, on attend, on attend, on a attendu 2 heures. 2 heures à boire du café, du café, du café. Franchement, ça m'a saoulé. Et tout compte fait, c'est pas fait. Alors moi, ça fait 2 fois. Du coup, là, j'y vais plus. C'est terminé. Faut pas abuser, quoi. Hein. Après, je sais bien que c'est pas de sa faute à lui. Mais il faut faire des efforts, quoi. Ça fait 2 fois que je viens. Et 2 fois qu'il me fait galérer. Donc là, c'est bon. Bon, allez. Du coup, Julie, elle est partie ramener Vincent en course parce qu'on n'a pas eu le temps. Hein. Et du coup, je vais vous faire montrer ce que j'ai acheté chez Leclerc ce matin. Et puis là, après, je vais commencer à faire le repas, quoi, et éplucher les frites, et puis faire les moules. Donc, ce matin, ce que j'ai pris, on va commencer par les boissons. Du coup, j'ai pris de l'eau fraîche, comme ça, au citron, j'en ai pris 3 bouteilles. La troisième. J'ai pris du sirop sport. Il est en promotion, et je crois qu'il y avait pourcentage sur la carte, mais je suis pas sûre. J'ai repris. Ah, c'est pas celui-là aussi? Sirop sport, citron aussi, c'est celui-là. Chaque fois, je me trompe. Mais non, c'est bien celui-là, donc j'en ai repris un. En promotion aussi. J'ai pris la boisson que j'aime. Du coup, j'ai pris 3 packs comme ça. Il y en a 3. J'ai pris des chips Eco Plus pour. Enfin, des petits paquets, quoi. Comme ça gaspille pas parce que quand on ouvre un gros paquet, moi j'en prends une dizaine et c'est tout. Et après, ben, Julie, c'est pareil, sauf qu'elle n'aime pas ou elle n'en mange pas. Eric en mange de moins en moins. Et du coup, j'ai pris des petits paquets et c'est bien. J'ai pris de la mozzarella râpée parce que j'ai envie d'une pizza encore. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai envie de plein de choses et quand je fais, j'ai plus faim. De l'emmental râpé Eco Plus, j'en ai pris 2. Parce qu'en ce moment, je fais beaucoup de pâtes, pas changer, et de croque-monsieur. J'ai repris des lardons Eco Plus, parce que je vais en avoir besoin pour la semaine prochaine, parce qu'on est déjà jeudi, donc je pense pas faire des courses avant la semaine prochaine. Et il me faut des lardons pour faire mon chou rouge. J'ai pris des Babybel à gros paquet, parce qu'il est en promotion, du coup je l'ai pris, il y en a 20 dedans, je crois. Il y en a combien? Oui, 20. J'ai pris le fameux Viandox. J'ai pris des olives cassées à l'ail. Bon, une petite barquette comme ça. Julie, elle aime bien les olives. J'ai pris des petits gâteaux savaroises au chocolat. N'aboie pas, Mathieu, hein. Des savaroises au chocolat. Alors j'aimerais bien les faire maison. Donc, je vais voir si je peux les faire maison. Parce que ça c'est trop bon en vérité. En fait ça fait comme un marbré. Hein, mais plus moelleux encore. Delishoc au chocolat noir. C'est des pockets. Donc ça m'intéresse. Pour moi l'hôpital. J'ai pris du bacon fumé. Celui-là je l'adore. Il est trop bon. Donc j'ai pris 3 paquets. De chez Eco Plus. 1, 2, 3. Et des clémentines. Des clémentines d'Espagne à feuilles. Donc j'en ai pris 4, 6, 8, 9. J'en ai 9. J'ai pas un kilo. Non, j'ai même pas un kilo. J'ai combien? 620 grammes. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Et puis mon pain, regardez les amis. Mon pain, cocotte. Regardez le moelleux. Regardez. J'ai hâte de le couper. D'ailleurs, je pense que je vais le faire maintenant. Comme ça, je vous fais montrer l'intérieur. Allez, je vais couper le pain. Alors moi je coupe assez, enfin je coupe pas au bord comme ça pour qu'on voit bien et j'aime bien manger le croûton là, avec du beurre. Oh, oh là là, il a l'air bien déjà, je le sens.
Ah ouais. Oh là 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 là, les amis. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh, je suis trop contente. Regardez comment il est alvéolé. Regardez. Il est trop trop beau. Regardez-moi ce moelleux. Regardez-moi ça. Trop contente. Trop trop contente de mon pas. Ah ouais, il est vraiment beau. Regardez, il est bien alvéolé, hein. Voilà pour le pas. Oh là là, puis il sent vraiment bon, les amis. Vraiment bon. Voilà pour le pas. Bon, les amis, je vous reprends pour vous terminer ce vlog. On va bientôt manger. Ça cuit là tranquillement. Et moi, je vais les passer à la douche et je vais les mettre mes vêtements à laver. Et surtout après à faire sécher parce que c'est pour moi demain la séance. Voilà. Je commence à être fatiguée. En fait, je suis énervée d'avoir attendu comme ça chez le garage. Enfin, attendre à côté du garage. Et se foutre de moi, quoi, comme ça. Et là, ça me gonfle. Je suis rouge de colère. C'est un truc pas possible. Je suis tellement énervée qu'Eric est sorti. Il est parti couper du bois. Parce qu'il sait que je vais éclater. Ça m'a saoulée. C'est pas moi qui ai été rechercher la voiture, c'est Eric. Parce que j'aurais pété un plomb. Franchement, là, c'est se foutre de nous. Enfin, je sais pas, c'est pas professionnel. C'est pas. En fait, j'ai payé moi pour faire ma révision. J'ai ramené ma voiture. Mon chèque, ils me l'ont pris en temps et en heure. Ils l'ont débité, hein. Donc, j'estime qu'ils font un effort parce que là, ça fait quand même deux fois. Et là, moi, il n'y aura pas de troisième fois. C'est mort pour moi. Je l'ai dit, Eric, c'est terminé, je n'y vais plus. Soit il prend une journée, il y va, ou il finit de bonne heure, mais moi c'est terminé, sinon je vais faire un scandale. Hein? Parce qu'à chaque fois que je prends des cafés, bon, c'est pas le fait, hein, de. Mais ils vont me rembourser. Non mais je rigole, mais franchement, les amis, je suis super énervée. Allez, je vais me calmer parce que déjà j'ai super chaud là. Et franchement, même Mathieu, il branche même pas tellement que ça m'a énervée. Bon, allez, les amis, je vais me relaxer, je vais aller prendre une douche, ça va me. Déjà, Eric qui me dit, tu veux un café? Non, mais ça va pas, quoi. Tu veux que je m'énerve encore plus? Donc, voilà. J'ai un mal de tête. J'ai un mal de tête, du coup. Bon, allez. Les amis, je vous dis à demain pour un prochain vlog avec moi. J'espère qu'il vous aura plu quand même. Bah, c'est tout. Donc, je vous dis à demain. Et puis, bon appétit à vous. Prenez soin de vous. C'est très, très important. Et une bonne soirée. Une bonne nuit. Je vous embrasse. À demain. Ciao.